Candidat numéro 18. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très estimé collègue, j'ai le plaisir de prendre la parole devant vous en ce jour pour la campagne à l'élection des sénateurs du Nord. Et je voudrais m'adresser de manière particulière à vous tous, très chers et estimés collègues, en vue de solliciter votre confiance pour cette élection qui va avoir lieu ce dimanche 26 mai 2024, parce que j'estime en effet avoir les capacités et les aptitudes pour me mettre à votre service. Oui, je dispose des capacités et aptitudes pour me mettre au service de notre chère province sinistrée. Oui, je suis en mesure de me mettre au service de notre population meurtrie. Et mon adresse va s'articuler sur trois points. Quel est le rôle du sénateur? Que va faire concrètement l'honorable Thierry comme sénateur? Et enfin, qui suis-je? Premier point, quel est le rôle d'un sénateur? Il est membre du Parlement et le sénateur, à l'instar de son collègue de l'Assemblée nationale, participe au vote des lois du pays. Il prend activement part au contrôle du gouvernement, des entreprises publiques, ainsi que des établissements et services publics de l'État, sur pied de l'article 100 de la Constitution. Le sénateur représente sa province en tant qu'entité territoriale décentralisée, article 104 de la Constitution, et ceci revient à lire dans la date du 26 mai, si vous me faites confiance, et je n'en doute pas, en votant pour la sagesse, la compétence et l'expérience et la paix, je vais être votre interface auprès des institutions publiques à Kinshasa. J'aurai donc l'obligation de proximité avec vous. J'aurai le devoir de maintenir un contact permanent et de suivi avec vous. Je serai une véritable courroie de transmission, le disait Yodama, entre vous et les institutions de la République. J'aurai les devoirs d'accompagnement des institutions provinciales. J'aurai les devoirs d'écoute et de respect à votre égard parce que je suis un de vôtres et nous formons une vraie famille qui va déléguer un des siens à Kinshasa au Sénat. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, très estimé collègue, deux, que va faire concrètement votre collègue Thierry si vous décidez de lui confier le mandat de sénateur en rapport avec le fonctionnement des institutions provinciales qui font face aux multiples défis de paix, de sécurité et de reconstruction. De manière succincte, parce que je n'aurai pas suffisamment de temps pour parler de la situation sombre prévalant dans la quasi-totalité de la province, de la persistance de l'occupation de nos territoires par des groupes terroristes l'un des trois, les bien nommés supplétifs du Rwanda, les ADF et les autres bandes armées incontrôlées. Tout comme je ne saurais m'étendre sur la précarité des vies, de la vie de nos familles dans les camps des déplacés. Et il me paraît impérieux de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du Nord Kivu. Et il est urgent pour rétablir cette autorité de l'État de contribuer à la reconquête de nos espaces occupés par nos ennemis pour le retour des déplacés de guerre dans leur milieu d'origine, de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens et d'intensifier toutes les actions allant dans le sens de la promotion et de la consolidation de la paix. Cette vision ne peut être possible
même de résoudre les problèmes d'extrême gravité de la population et de leur stabilisation dans leur milieu d'origine et de vie. Cette stabilité que nous appelons de tous nos voeux depuis plus de 3 décennies, honore qu'il vous fasse naturellement par la mise en place et le fonctionnement de ces institutions dont je parlais et que je pense que nous souhaitons fortes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lors des élections du gouverneur et des vice-gouverneurs, nous devons veiller, chers collègues, à ce que notre choix se porte sur les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Je contribuerai à améliorer l'image de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu pour faire de celle-ci un véritable temple de la démocratie au service de la paix, au service de la reconstruction de la province, au service du développement de tous. S'agissant des conditions sociales et des travaux du député, je suis de ceux qui pensent que depuis bientôt 20 ans, les déblocages irréguliers et difficiles des frais de fonctionnement de l'institution provinciale, ainsi que les éléments des émoluments des honorables députés provinciaux, a contribué, a toujours constitué le véritable boulot d'étranglement de la vie de ces dernières institutions, donc du gouvernement et de l'Assemblée provinciale. Mon combat, avec les concours de bureau, sera de faire inscrire les frais, de faire inscrire au budget à la loi des finances de 2025, qui est en train d'être élaborée, les frais divers qui comprennent le transport, les communications que nous n'avons pas, mais également la réserve parlementaire qui permet aux députés de constituer à la fin de son mandat de 5 ans une cagnotte à la star des députés nationaux pour lui permettre de faire sa prochaine campagne électorale. Une autre question qui me tient à cœur, c'est la démarcation du lac Kivu entre la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Comme vous le savez, honorables et estimés collègues, les limites de la province du Sud Kivu commencent au bord de la rive du lac Kivu à Goma. Et donc, normalement, la date de privation d'accès au lac par l'occupation des 10 mètres des rives devrait être payée à Bukavu et Nord Goma parce que le premier millimètre de rive du lac appartient au Sud Kivu. Et en fait, quand vous trempez votre pied dans le lac, vous êtes déjà au Sud Kivu. Cela est inacceptable et nous devons le changer. Trois, qui suis-je? Qui est finalement l'honorable Thierry Wabacha? Permettez-moi, en toute humilité, de faire ma brève présentation. L'honorable Moutiro Bachara est fils et un élu de la ville de Goma. Après avoir exercé pendant 3 législatures le mandat de député national pour la ville de Goma, il est élu pour la 4e fois comme député provincial et je pense que c'est une preuve de solide ancrage politique et une légitimité populaire à des liens dans cette difficile circonscription électorale de Goma, parce qu'aucun élu de Goma n'a eu 3 mandats successifs et ininterrompus. C'est fort de cette légitimité populaire, de cette reconnaissance citoyenne et sociale, que humblement je vous demande de me confier le mandat de vous représenter à la Chambre haute, à la Chambre des sages, dois-je dire, que le Sénat. Votre serviteur a une expérience avérée de serviteur de l'État, acquise dans les secteurs de la communication, de la gestion des entreprises publiques, celle de l'économie mixte et privée, en qualité de membre de plusieurs conseils d'administration, directeur général, président du conseil d'administration et ministre du gouvernement central. Sa formation académique l'a doté d'une expertise multisectorielle avec un diplôme en coopération au développement
Diplôme obtenu à l'Institut universitaire d'études de développement, UOD, à Genève. Un diplôme en management international obtenu à l'Institut catholique des hautes études commerciales et chef d'entreprise à Bruxelles. Et un diplôme en stratégie et défense au Collège des hautes études de stratégie et défense, CHESD, à Kinshasa. Son expérience et sa formation académique lui ont doté des capacités à diriger un des cabinets d'experts conseil congolais de bonne réputation qui travaille à l'international avec des cabinets d'experts conseil belges et allemands. Son action politique se focalise sur la capacitation et la valorisation du capital humain, sur la diversification de l'économie et la protection de la biodiversité. À ce titre, il est l'initiateur des propositions de loi, notamment sur la protection et la promotion de l'expertise et des compétences nationales. La loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme et sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 par 022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture ainsi que co-initiateur et signataire du décret portant création du corps de protection des parcs nationaux et les réserves naturelles abandonnées. En tant que ministre du Tourisme, Culture et Arts, il crée sur pied de la loi portant principes fondamentaux sur le tourisme, dont il est par ailleurs auteur, le fonds de promotion du tourisme. Il a également ouvert la procédure auprès de l'UNESCO qui a abouti à l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'humanité et à réaliser la construction du musée national de Kinshasa avec le financement de la Corée du Sud. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable et très estimé collègue, son parcours de manager et d'opérateur politique est caractérisé par la probité, l'amour du travail bien fait et par l'esprit d'équipe et de service. J'aime la lecture, j'aime la musique, j'aime danser. Je fais comme sport le golf et la natation, et c'est donc un esprit sain, dans un corps sain, qui sera votre service. Chers collègues, que le Saint-Esprit descende sur chacun de vous. Comme à la Pentecôte, pour qu'il vous éclaire dans votre choix et que vous choisissiez Elvis Moutini ou Machala. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Vous pouvez prendre place. Vous savez, la madame du protocole, elle a plusieurs fois passé me poser la question de savoir si je vais prendre la parole. Et maintenant, je viens de lui dire, je suis candidat. Je suis candidat. Ce n'est pas une bonne guerre que je prenne la parole. Parce que c'est ce qu'on appelle, et l'estimé collègue qui a pris la parole le premier le sait, cela ça s'appelle et ça s'apparente à un conflit d'intérêts. Néanmoins, je vais répondre à la question de notre collègue, notamment double collègue, député et candidat. Il parle de l'âge. C'est plus notamment, c'est plutôt bienvenu. Non, non, les deux. Les deux. Je ne me trompe pas, les deux. Et en répondant à l'honorable dame, je réponds à Christine.
l'honorable bienvenu, l'honorable Mafumbura Christian. Mafumbura, d'accord. Très bien. Le candidat n'est pas passé pour poser la question. Là, on ne pouvait pas nous permettre de le faire. Le Sénat, ça s'appelle comment en français? En ligne à soi. Ça s'appelle comment en soi? Chumba Chabazé. Chumba Chabazé. Mais là, il faut que ça vous bien. Et je vais vous dire autre chose. Les études de l'Institut médical américain, vous pouvez aller sur Google, vous dit que les neurones, l'homme atteint le maximum de son intelligence entre 60 et 85. J'ai 75 ans, je suis en train d'osciller dans l'optimum de ma intelligence. D'après les Américains, d'après les études scientifiquement prouvées, c'est pas moi qui l'ai dit, je m'excuse, les honorables qui confondent le Sénat et la chambre basse. C'est la chambre des sages. Et je pense qu'après avoir été à l'Assemblée nationale, je crois que sagement, c'est la Chambre des sages qui m'attend. Et qui m'attend, si vous m'accordez votre vote. Et c'est une mauvaise guerre que de renvoyer un concurrent dans les tapis en prétendant qu'il a l'âge. Il est âgé, je suis âgé, il ne faut pas confondre l'âge et l'ancienneté. Il ne faut pas confondre l'âge et l'inexpérience. Je pense que je peux mettre mon expérience au service de la population et au service de ma province. Et les collègues, il dit, les cinq dernières années, j'ai pris la parole une fois. Alors, oui, s'il vous plaît. Quatre fois. 5 ans, moi j'étais président d'une commission environnement. Et donc, les présidents des commissions ne sont pas souvent, vous le savez, ne sont pas souvent dans l'hémicycle, dans les plénières. Et les prises de parole, d'ailleurs, qui le documentent, ce sont les prises de parole en tant que président ou en tant que membre du bureau de la commission. Et de toutes les manières, ce qui est très important, c'est le travail de contrôle du gouvernement, je l'ai fait. C'est le travail d'élaboration des lois, je l'ai fait. Et la loi sur l'agriculture propose des calendriers, il est postposé pour cette législature, elle passera, n'ayez pas crainte, et ça va être bien. De toutes les façons, vous avez fait fi des autres propositions, des autres lois que j'ai eu à élaborer, qui sont documentées dans mon discours de campagne, si on peut l'appeler comme ça. Alors, les déplacés de guerre, je pense que vous avez vu, et je crois que les collègues assez croyants, ceux qui ont été à l'Assemblée nationale, vous avez vu que nous avons fait un lobbying, nous avons été voir les déplacés, on a donné l'assistance qui est, je vous le conseille, et je suis d'accord avec tout le monde, que c'était une assistance insuffisante et elle reste une assistance humanitaire insuffisante. L'état des sièges, je vais répondre aussi en même temps. La personne, le collègue qui a posé la question sur l'état des sièges, je crois que vous avez eu, il y a plusieurs collègues ici, qui étaient à Kinshasa lors de l'évaluation de l'état des sièges, et ils savent que j'ai
dans la requalification de l'état de siège, le vote est secret. Est-ce que vous avez posé, vous avez voté pour la prorogation de l'état de siège? À partir du moment où je vous dis que j'étais pour la requalification de l'état de siège, cela veut dire que vous avez la réponse. Et en plus, c'est que nous avons été plusieurs députés nationaux à travailler avec les députés provinciaux, avec la comptabilité provinciale, pour qu'il y ait absolument, n'est-ce pas, les élections au niveau provincial dans les états des sièges du Nord Kivu et de l'Ituri. Je crois que c'est une indication pour vous montrer qu'on travaille pour petit à petit la levée de l'état des sièges. Je suis de ceux qui militent pour cela. Les collègues Kawaii demandent des pactes de la rétrocession. Je peux vous dire que c'est un combat au quotidien, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Et chaque fois, il y a une recommandation impérative faite au gouvernement pour l'application de la rétrocession des 40% à la source. Chaque année, les députés nationaux font une recommandation impérieuse. Il y a la caisse de péréquation qui devrait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas non plus. Et donc, c'est le gouvernement, on l'a interpellé plusieurs fois sur la question de la rétrocession, et le gouvernement n'a jamais, n'est-ce pas, obtempéré. Nous pouvons le mettre ça sur le compte de la mauvaise gestion. Voilà, donc, en ce qui concerne la question de l'honorable Lévy, je crois avoir parlé de l'état des sièges et le rôle que j'y joue collectivement, pas moi tout seul, bien sûr. Alors, quel est le mécanisme pour sa question de l'honorable collègue Bicoin que je mets en place pour que je sois effectivement, parce que j'ai revendiqué devenir une courroie de transmission entre les institutions provinciales, entre la population. Moi, j'ai passé tout mon temps comme député national à être à l'écoute pendant les vacances parlementaires. Et ça sert à ça, les vacances parlementaires. On est à l'écoute de ses électeurs et depuis 18 ans, c'est ce que je fais. Et je viens, même quand il n'y a pas de vacances parlementaires en pleine session, je viens à Goma, je reste. Ma technique que je peux vous donner, ceux qui vont être candidats à Goma, moi, chaque vacances parlementaires, je vais dans un quartier, il y en a 18, pour ceux qui ne le savent pas, et je fais la ronde pendant toute la législature, pendant 5 ans, je suis dans un quartier et je fais des actions sociales, je mange avec la population et j'écoute la population. Exactement. C'est ce que je fais. Et je crois que ça va vous servir parce que la prochaine fois, pourquoi être à l'Assemblée provinciale, c'est pour être près du peuple? Comment est-ce qu'on peut poser une question comme ça? J'étais à Kinshasa, c'est que l'honorable Bicoy demande comment on peut le faire, mais moi je ne peux plus rien faire. Je serai ici. Et je serai ici, mais je pense que c'est ce que je peux offrir à mes électeurs, parce que si je suis là pendant 18 ans, c'est parce que cette population a voulu que je les représente, mais cette empathie énorme qui me témoigne me pousse à venir ici, à être près de la population, et aujourd'hui à représenter cette population aussi. Enfin, je crois que j'ai terminé. Je crois avoir terminé. Donc, j'ai répondu à la question. Il faut
la place aux vieux. Parce que Sénat n'est Tchumba Tchawazé. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable.